Vous devez retenir trois points essentiels à ce stade. Le premier point d'abord, c'est un grand mot de remerciement et de reconnaissance du leadership au niveau provincial à pouvoir s'investir totalement dans le développement de cette province. Et ça, c'est très important de voir qu'en arrivant, l'autorité provinciale elle-même a pris le devant pour pouvoir accompagner la mission et discuter avec la mission de sa vision de développement de la province. Ça, c'est très important en termes de leadership, mais aussi en termes d'appropriation. Secundo, c'est qu'en fait, on rappelle ici que la province du Kasaï Central est une province prioritaire de la Banque mondiale. Et nous, dans notre nouvelle approche, travailler avec les provinces sera une approche d'efficacité. Parce que vous comprenez ce qu'ils veulent faire, vous comprenez les besoins, mais aussi vous essayez de comprendre la dynamique dans laquelle la province est en train de travailler. Et à ce titre, comme vous l'avez mentionné, nous avons visité des chantiers très importants. Et nous avons constaté justement que les besoins exprimés par la province à travers son plan sont des besoins réels. Et si on y travaille sur cet alignement, nous allons justement arriver à booster la prospérité et à réduire l'extrême pauvreté qui est due à la fragilité holistique que nous avons dans cette province. Tertio, c'est vous dire déjà que la Banque mondiale, à travers sa collaboration avec la province et le pays et le gouvernement, nous avons déjà là des acquis, notamment par exemple en santé, un projet multisectoriel qui commence déjà l'année prochaine et qui va toucher plus de 4 millions d'habitants en finançant les centres de santé, en finançant les structures de deuxième ligne, ainsi de suite. Et nous allons continuer sur les appuis au niveau tertiaire pour faire en sorte que la référence marche. Mais aussi que nous avons un acquis, c'est la modernisation du laboratoire provincial de Kananga qui va justement être pris comme institution de standard international et qui va permettre justement de faire des analyses dans un projet rédicé qui est un projet régional déjà négocié avec le gouvernement. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'autres dossiers clés sur lesquels on doit travailler. C'est notamment par exemple l'énergie, les routes, l'eau. Et les discussions que nous venons d'avoir nous montrent que la Banque mondiale doit s'investir dans ce domaine. Nous avons discuté avec l'autorité provinciale de ce qui sera fait déjà d'ici 2 mois, des études de faisabilité, des analyses pour estimer réellement le besoin et accompagner la province dans ce schéma. Donc c'est pour vous dire ici notre satisfaction d'avoir fait cette mission et remercier l'autorité provinciale de l'avoir encadrée parce que initialement, comme vous le savez, ce n'était pas prévu. Donc comme on l'a fait, les prochaines étapes vont être claires, on va vous les communiquer à travers le gouvernement provincial et vous serez au courant de ce que nous allons faire à court, moyen, long terme. Nous avons des spécialistes aguerris qui ont travaillé sur beaucoup de pays, qui ont travaillé dans la région. Nous avons M. Tojo qui travaille sur les routes, donc il a travaillé longtemps sur les routes et le transport. Nous avons M. Alain Drago qui est juste derrière moi, qui a travaillé beaucoup sur l'énergie, pas seulement en RDC mais aussi dans d'autres pays. Et nous avons M. Patrick qui travaille sur l'eau et moi-même qui travaille sur les questions de santé publique. Voilà, donc l'équipe a été suffisamment composée, mais cela ne veut pas dire que les autres domaines sont négligés. Il s'agit là des domaines ciblés pour cette phase, mais dans les discussions avec l'autorité provinciale, nous avons aussi abordé les questions d'éducation, de protection sociale, nous avons abordé la question du développement urbain, pour lesquelles justement d'autres experts seront saisis dans la note finale. Alors, la priorité de la province, pas de la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale se cale sur les priorités des provinces. Pour la province, on pense que l'énergie va être le déclencheur. Et c'est comme ça que l'équipe qui a travaillé sur l'énergie s'est focalisée sur des actions rapides à court terme et des actions qui vont aller dans le long terme en discutant éventuellement sur la relance de KTND partant de certaines faisabilités. Mais nous pensons que dans cette province, mettre l'énergie va avoir des facteurs multiplicateurs dans d'autres secteurs. Un cas simple. On est à l'hôpital, on trouve des prématurés dans les couveuses, mais les couveuses ne donnent pas parce qu'il n'y a pas d'énergie. On visite la morgue, il y a des frigos, les frigos ne marchent pas parce qu'il n'y a pas d'énergie. On pense que le focus aujourd'hui va nous orienter vers ce secteur-là, parce qu'on sait que quand on a de l'énergie, justement, on peut favoriser les petites et moyennes entreprises, mais aussi la santé peut avoir des infrastructures qui sont correctement utilisées. Donc pour nous, ça reste la priorité de la province, sur lesquelles justement ou laquelle la Banque mondiale va s'investir et nous pensons mobiliser les ressources suffisantes pour pouvoir y arriver. Non, en fait, c'est dans le cadre du capital humain, comme vous savez, on a discuté avec les collègues de la santé. C'était leur montrer comment est-ce qu'aujourd'hui le capital humain devient important dans le renforcement de capacités. Le développement va passer par la qualité des hommes et c'est comme ça que dans la santé, on a eu cette réunion qui concernait le capital humain, le rôle de la nutrition dans le capital humain, le rôle justement de pouvoir travailler sur les 1000 premiers jours et de s'investir sur les générations futures. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, pour toutes les missions qu'il a effectuées à Kinshasa, il a exprimé sa volonté de développer cette province, de pouvoir diminuer la pauvreté et de faire que cette province soit prospère. Et si nous sommes venus
ici à Kananga, ce n'est pas parce qu'on voulait venir, mais parce que justement on voulait montrer qu'on est une institution de développement et à ce titre, on doit appuyer la vision du gouvernement provincial. Je ne peux que demander à la population de s'impliquer dans cette dynamique qui vient de commencer, parce que comme vous le savez, la finalité, ce sont les bénéficiaires finaux. Et nous devons justement s'assurer que les projets que nous finançons sont des projets qui atteignent les bénéficiaires finaux, sont des projets publics. Et ça, c'est très important de comprendre que chacun doit jouer son rôle. La presse, la population, les sociétés civiles, les associations locales doivent justement se mobiliser pour justement avoir une participation citoyenne à ce qu'il y ait plus d'appropriation, mais aussi un suivi tout à fait structuré pour qu'on arrive à des résultats escomptés. Sentiment de satisfaction parce que, comme vous le savez, depuis le 25 mai, nous avons le programme d'action du gouvernement de Kassai Central et nous étions à la recherche des bailleurs. Alors le premier bailleur à se présenter, c'est la Banque mondiale. Nous avons été faire les plaidoyers et la Banque mondiale aujourd'hui est dans nos murs. Elle a pu palper du doigt la réalité de notre province et elle s'accorde avec nous pour financer les priorités de la province du Kassai Central, entre autres l'énergie, les routes, le développement urbain, et ainsi de suite, le renforcement des capacités, et tout ça. Que la population n'écoute pas ce que les gens racontent, la population doit travailler avec nous, main dans la main, pour son bien-être, pour son bonheur, parce que la mission qui nous incombe, la mission première qui nous incombe, c'est la protection de cette population et surtout l'aider à s'en sortir parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de lutter contre la pauvreté. Et la population du Kassai Central est rongée par la pauvreté. Nous ici, nous avons pour objectif de lutter contre cette pauvreté et sortir cette population de la pauvreté. Thank you.